à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous proposer un concours. Nous sommes arrivés à 4500 abonnés sur ma chaîne, donc je suis vraiment tellement, tellement contente que vous me suiviez, que vous soyez nombreuses et de plus nombreuses à me laisser des commentaires, parce que ça, je tiens à le dire, c'est vraiment un point d'honneur. J'adore vraiment quand vous me laissez des commentaires et que je réponds, parce qu'avant tout, c'est vraiment le partage que je souhaite avec vous. Du coup, là, j'ai vraiment voulu vous gâter, donc j'ai fait 3 lots. Alors, ils sont pas forcément très importants, mais je voulais qu'il y ait 3 personnes qui gagnent, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Donc, j'ai fait 3 lots, donc comme ça, vous pourrez participer au lot qui vous intéresse le plus. Donc je vais vous proposer 3 lots, un premier lot soins, un deuxième lot maquillage et un troisième lot avec des produits de plus grandes marques, tout simplement. Comme ça, ça laissera plus de chance et ça vous permettra de choisir quel lot vous préférez. Donc pour les conditions, ça va pas être compliqué. Ça va être de me laisser un commentaire, alors pas besoin de me marquer je participe, mais de me laisser un commentaire sous cette vidéo, d'être abonné à ma chaîne et de m'envoyer un petit mail de participation à cette adresse où vous m'envoyez simplement vous participez ou non et quel lot vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à me mettre également votre adresse postale et votre pseudo YouTube pour que je puisse regarder si vous êtes abonné à ma chaîne et bien évidemment aussi pouvoir vous envoyer plus facilement le lot. Donc voilà, les dates de concours je les mets juste ici, je sais pas encore combien de temps ça va durer, mais voilà, je vais pas le faire durer très longtemps parce que je pense que vous êtes pressés de recevoir le lot et moi j'ai hâte tout simplement de vous faire plaisir. Donc je vais commencer par vous présenter le lot soins. Donc j'ai mis plein de petites choses, donc j'espère que ça vous plaira. Donc le premier lot, j'ai mis un conditionneur de la marque Novex. Donc je sais que c'est une marque qui est très très réputée. Donc il est comme ceci, c'est tous les produits sont neufs, hein. Je n'ai rien utilisé, hein. Donc vous avez celui-ci, un petit conditionneur. Ensuite vous avez un shampoing fixateur de couleur de la marque L'Oréal, c'est de série expert. Il est comme ceci, c'est un format 100 ml, donc quand même, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite j'ai une crème ultra hydratante de chez Topicrème, qui est comme ceci. Donc pareil, c'est un full size de 40 ml. Ensuite, quelque chose que je pense que vous allez vraiment apprécier, c'est une mousse de douche de la marque Rituals. Donc c'est Rituals of Happy Buddha. Donc ça, je pense que plus d'une va apprécier. Moi, je les ai déjà testés, ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai un démaquillant biphasé de la marque Kueshi. Donc j'ai déjà testé leurs produits, ils sont vraiment très bien. Donc c'est un format 100 ml également. Ensuite, je vous ai mis un gommage pour le visage à l'orange de la marque Unani. Donc celui-ci, je crois qu'il doit faire 100 ml également, oui. Donc il y a largement de quoi tester. Ensuite, je vous ai mis un shampoing sec Baptiste dans la senteur Marrakech. Après, je vous ai mis une lotion de soin de la marque Galénic et c'est le Aqua Infini. Celle-ci, rien que le packaging et la couleur me donne envie de tester, moi, donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose. Et avec, je vous ai mis un petit accessoire, donc c'est un petit peigne de chez Birchbox. Donc voilà pour ce qui est de la box soins. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Il y a pour le visage, il y a des crèmes, il y a du shampoing, un après-shampoing, une mousse de douche. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce petit lot en fait de soins. Maintenant, on va passer au lot maquillage. Donc tout d'abord, je vous ai mis une petite palette d'highlighter de chez Action. Vous n'avez pas toutes forcément un Action proche de chez vous, donc je vous l'ai mise. Ensuite, je vous ai mis un crayon à sourcils de la marque Model & Co en collaboration avec Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, j'arrive pas à le dire, vous m'excusez, désolée. Et un highlighter blush de chez Model & Co et Karl Lagerfeld, j'arrive pas à le dire, vous m'excusez. Voilà, il est très joli celui-ci, je vais vous le montrer comme ça. Il est très très sympa, je vais vous montrer. Il est comme ceci, il est vraiment très joli. Et le crayon est très joli, hein. Il est très très beau, je vais vous le montrer aussi parce que si je vous présente pas les produits, ça sert à rien. Il est comme ceci, bon c'est pour les brunes malheureusement, pour les blondes, il est comme ceci. Il est vraiment très 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 sympa. Donc je pense quand même que c'est pour les brunes, hein. Donc au pire, si vous êtes blonde, et eh ben vous l'offrirez à quelqu'un.
Ensuite, c'est un produit de la marque Steve Laurent. Je trouve le packaging super sympa. Alors ça, je sais pas trop si c'est un rouge à lèvres ou un baume à lèvres, mais le packaging est juste magnifique. Mais je crois que c'est vraiment un rouge à lèvres en pot comme ça. C'est la teinte Dusty Rose. Il est comme ceci. Il est vraiment très, très joli. Je trouve qu'à glisser dans le sac à main ou même à offrir, il est vraiment très joli. Ensuite, je vous ai mis un mascara de chez Maybelline. Donc c'est le volume explosif express. Donc moi, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. J'utilisais le rose, mais depuis que j'ai utilisé celui-ci, je l'aime beaucoup plus celui-ci. Je sais pas, voilà, c'est waterproof celui-ci. Le rose, c'est le classique et celui-là, c'est waterproof. Ensuite, je vous ai mis un recourbe-cils. Moi, je sais que je l'utilise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Donc moi, autant vous faire plaisir et vous faire gagner. Ensuite, il y a une petite palette de la marque Trifle Cosmetics, c'est la Praline Palette. Elle est comme ceci, je vais vous la montrer. Hop. Elle est comme ceci, le packaging est super sympa. Et à l'intérieur, vous avez la petite palette comme ceci. Et bon, c'est des belles couleurs d'automne, donc je pense que ça pourra vous faire plaisir. En plus, je trouve que le packaging est super sympa et c'est une marque qui est assez connue. Pas forcément en France, mais qui est assez connu. Ensuite, je vous ai mis un lip matte. C'est la teinte Juju. Et c'est de la marque Contour Cosmétique. Donc, il est comme ceci. Donc là, par contre, je ne peux pas vous le swatcher parce que il est neuf, hein, comme tous les produits. Mais là, je ne peux vraiment pas vous l'ouvrir parce qu'il y a un plastique autour. Et la dernière chose, j'ai fait une commande il y a quelques temps maintenant chez Colourpop. J'avais fait une commande pour un projet et aussi pour moi. Et je me suis dit, je vais prendre aussi une petite chose pour vous. Donc je vous ai pris un pinceau blush ou highlighter. Enfin, vous pouvez utiliser comme vous voulez, Colourpop. Il est vraiment très sympa. Ils sont très très bien d'ailleurs, les pinceaux Colourpop. Donc voilà pour ce qui est du lot numéro 2 maquillage. Et le lot numéro 3 qui est un tout petit lot. Mais qui, où il y a quand même un beau produit à l'intérieur. Donc tout d'abord, on a le mascara waterproof Better Than Sex en miniature. Que j'adore, vous savez que j'adore. La formule waterproof, c'est pas forcément mon préféré. Mais parce que c'est simplement parce que c'est une galère à démaquiller. Mais c'est un mascara qui est trop bien. Ensuite, je vous ai mis l'échantillon du Oula de chez Benefit. C'est un bronzer que j'aime beaucoup également. Donc là, c'est vraiment un petit échantillon. Je vous l'ouvre pour vous montrer. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai eu une fois dans une box et c'est comme ça que j'avais fini par me l'acheter. Parce que la couleur est vraiment très sympa. Donc ça, pour tester, je trouve ça génial. J'avais reçu aussi la chocolat soleil en miniature et c'est grâce à ça que j'avais pu l'acheter en full size. Et le meilleur pour la fin, donc dans ce lot numéro 3, c'est un full size d'un rouge à lèvres MAC et c'est le Mer. Donc celui-ci, je l'avais reçu honnêtement dans une Birchbox et je vous le fais gagner tout simplement parce que je l'ai déjà. Et honnêtement, ça aurait été une couleur que j'ai pas, j'aurais gardé pour moi parce que je suis fan des rouges à lèvres MAC. Mais là, ça vous a donné vraiment une bonne occasion de pouvoir vous l'offrir. Voilà, il est tout neuf. C'est une couleur qui passe avec tout, c'est une couleur magnifique. Un nude, pour moi c'est mon nude parfait. C'est un rouge à lèvres mat et c'est le Mer. Donc voilà pour les 3 lots, donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas les conditions, me laissez un commentaire et m'envoyez un mail avec votre lot préféré et votre adresse et votre pseudo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.